Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Medal of Honor, les Faucons de Guerre. Donc après Soleil Levant qu'on avait fini sur le bateau et tout, là on va commencer un nouveau let's play sur les Faucons de Guerre. Un jeu que j'ai particulièrement aimé, entre autres parce que déjà les graphismes étaient bien améliorés, il y avait une nouvelle mécanique de jeu, tout. Il y a ça qui se lance très bien. Donc c'est un jeu qui est sorti le 16 juin 2005 en France. Qui est maintenant disponible sur PS3, j'ai vu, il y a en téléchargement. C'est un très bon jeu, il y a un très bon multi. J'ai fait des journées entières avec des bots à jouer en multi sur ce jeu-là. C'était un très très bon jeu. Donc là, on peut voir quelques petites images, qu'est-ce qui nous attend. Mais bon, on va quand même pas gâcher le plaisir. Et maintenant, on va aller voir le menu. On va commencer un nouveau profil, très bien, hop. La flamme de fer des... merde. Ouh là là. Non. J'ai appuyé sur mes touches pour ça. Alors, on efface le holter qui est marqué en haut. Et hop. Putain, c'est les claviers, mais vraiment ABCD, quoi. Je me perds maintenant, ce clavier-là. C'est pas l'habitude. Je suis habitué au vieux clavier Agarty, moi. Oui, sauvegarder le profil. J'espère que j'aurai assez de place, hein. Quand même, sur la carte mémoire de 8 mégas. Attention. Même les vieilles disquettes, ils avaient moins. D'accord. Ah là là. Donc voilà, il y a un multijoueur. Je vais juste voir un petit peu. Donc, il n'y a pas le mode en ligne, est-ce que je vois? Il n'y a que en mode 4 écrans, mais c'est quand même bien. Il est bien rempli le jeu au niveau de ça. Donc là, dans les états de service, bon, on voit les 4 grandes batailles qu'on va faire. On va aller à Saint-Nazaire, un petit peu de français ça fait du bien. On va faire l'Afrique du Nord, la Russie et la bataille des Ardennes. En gros, les plus gros moments de l'histoire, quoi. Donc, option, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ça, j'y touche pas. Et le profil, bon, ça va être moi. Donc on va partir. Donc on prend normal, hein. J'ai pas envie de prendre élite ni héros parce que héros c'est voilà. Alors non, je vais prendre tireur émérite, hein. Le classique. Chargeur c'est quoi? D'accord. Ok. Donc hop. Non, je veux pas inverser la vue. Je sais pas qui c'est qui joue avec inverser la vue quand même. Ça fait un peu bizarre. Alors, objectif principal, ça fait jaune, commandant, membre du groupe. Donc là, on est suivi par un groupe, ça change un peu quand même. Je sais que c'est un jeu que j'ai jamais fini, parce que j'avais les boules à la dernière émission, c'est assez intéressant quand même. Donc le vieux THX. Donc, je pense qu'on va avoir l'habitude du THX après 3 épisodes quand même. Quand on me demande ce que j'ai fait pendant la guerre, je dis que j'ai fait comme tout le monde. Je me suis battu pour des valeurs. Je me suis rendu compte que la guerre, ça vaut rien. Et c'est pourquoi on se bat, si. Et on s'est tous battus pour la même chose. Déjà rien que les cinématiques qui sont mieux faites là, je trouve. Il y a un vrai effet cinématique. Notre père, qui êtes aux cieux, j'ai comme un pressentiment que votre nom soit sanctifié. Vérifiez vos chargeurs et surtout ne vous montrez pas. Vous savez, Holt, quand je me suis porté volontaire, j'étais impatient de me retrouver là. Et maintenant que j'y suis. Winslow est à la radio. Apparemment, les signaux qu'on a volés fonctionnent. Les boss croient toujours qu'on est des leurs. Attention!
C'est quand même con de mourir là, parce que tu meurs sans avoir combattu quoi. Ça, c'est des batailles quand même qu'on parle le moins. La bataille du Sénateur, on n'entend pas tant que ça. Avec le débarquement, oui, c'est sûr que ça prend un peu tout. Et voilà, on est dedans maintenant. Hop. Ok, donc maintenant on a notre objectif, donc voilà, on a une Thompson, un M1 Garand, d'accord, une Thompson et un M1 Garand. Donc là, c'est pour les munitions, donc munitions M1 Garand, ouais, aïe aïe aïe, me baisser, carré. Ah, maintenant on peut s'allonger, donc voilà, ça rajoute quand même. On a un vrai viseur. Tire en haut. Pas personne. Donc voilà, donc maintenant il y a des trousses de soins. Et voilà, les trousses de soins maintenant ne nous guérissent pas tout de suite. On peut les utiliser plus tard. C'est plutôt pratique, ça permet d'un petit peu la gestion de sa vie. Et ça j'aime bien. Ça change un peu, et si je me rappelle bien, voilà, on peut détruire quelques petites parties du décor, ce qui est quand même pas mal, parce que c'est quand même pas les parties les plus intéressantes. Ah voilà, le viseur devient rouge, ça veut dire qu'il y a un ennemi, hein, c'est classique maintenant. Et on peut voir à droite, au-dessus des munitions, une barre d'adrénaline qui va en fait nous servir un peu plus tard, donc on verra quand on sera rempli. Je sais plus exactement ce qu'a fait. Mais bon, on va bien voir ça, on a le temps. Hop 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 hop. Alors, là, on nous donne le choix, donc. Soit je garde ma Thompson, soit je prends cette arme là. Je vais garder ma Thompson parce qu'il y a quand même plus de munitions pour l'instant. Mais voilà, s'il y a besoin, je prendrai l'autre. Qui est, je pense, un peu plus précise. Ok. Donc là, on voit, il y a des munitions pour les grenades. Alors voilà, on voit à droite, il y a eu un petit logo qui disait que j'ai tiré dans la tête, voilà, encore une fois. Donc voilà. On rentre déjà dans un jeu qui est plus de notre époque. Indicateur et tout ça, il est fluide. Non, c'est un jeu que j'ai adoré quand j'étais gamin. Je devais avoir 9-10 ans quand je l'ai eu. Donc, le jeu, je sais plus. Regardez. Il était interdit au moins de 16 ans, oui, 9-10 ans, oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, hein, c'est ce qui fait que j'aime bien les. M'intéresse à ça. Et je trouve ça plutôt intéressant. Alors, donc là, à droite, il y a eu ennemis multiples. Ça m'a mis que j'en avais tué deux. Il y a un petit casque avec le nombre de personnes qu'on tue, ça y a avec une petite flèche. C'est plutôt pas mal. Il y a plus personne. Donc c'est là qu'on devait aller, là il y avait notre petit copain. Alors là je peux plus bouger quand c'est comme ça. Bien. J'ai appuyé sur select. Ah il y a une carte. Ah je peux bouger sur la carte. Non, enfin alors voilà, ouais, c'est un schéma simplifié. Donc là on a nos médailles. Trouver, donc ça c'est fait et. D'accord. Ok ok. Comment je quitte ça? Select. Voilà. Oh, j'en ai un. Avancez,
merde, j'avais pas vu. Donc, voilà. Flèche du bas, ça me permet en fait de me guérir, donc d'utiliser un pack de soins. C'est plutôt utile. Ah, c'est ouais, sinon il y a les petites comme ça, donc j'aurais pas dû utiliser moi, mon truc de soins, qui me permettent en fait de me guérir. Il va falloir que je me replie. Genre, en même temps, je vais aller chercher une mission. Ah, voilà, on a des bombardiers. Non, c'est pas des bombardiers du tout. Ah, si. Et il y en a un qui meurt. C'est quand même moche. Ce qui est bien, c'est que lui, il tire toujours vers le même endroit. C'est plutôt pratique. Alors. Donc là, on a fini le prologue. C'était juste le prologue, c'était juste pour trouver un petit peu les touches. Voilà. Plus ça sympathique. Sauvegarder. On va voir si les sauvegardes sont plus rapides. Je pense pas. Donc il faut que je m'habitue avec le rond. Tac tac. Je me demande si je fais croix, ça va marcher ou pas. Tac tac. Donc ouais, ce jeu là, je pense que je vais bien être intéressé par le finir. Voilà, donc ça c'est assez simple. Je médaille d'or parce que j'ai tout fait. Une réanimation. Donc, réanimation, il va falloir que je vois qu'est-ce que c'est. Bon, je suis sûr que j'en ai utilisé. Ça doit être quand je meurs. Ouais. Survivant dans votre unité. Donc, j'avais pas d'unité. Trousse de soins attribuée. J'en ai pas donné. Parce qu'en fait, quand on se soigne et qu'on a toute notre vie, ça donne aussi à nos coéquipiers. Donc, ça permet en fait de les sauver. Parce que si ils se font tuer, ils reviennent pas. C'est pas comme dans l'autre où voilà, on avait des copains à côté et ils reviennent. Donc voilà, on sait déjà, on a 4 missions, on a fait la première. Donc je pense que je vais faire cette vidéo courte, présenter le jeu, tout. Et la prochaine vidéo, on fera le raid sur Saint-Nazaire. Et comme ça, au moins, on sera bien là-dedans. Donc voilà, si je reviens au menu, tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine. Bye bye.